Hello, bienvenue sur Encore une page. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog lecture. Je lis comme mon ennéagramme. En fait, je sais, sorry I'm late, mais j'étais censée participer au concept que BookTube Québec, mais plus précisément Sous le ciel, avait lancé en juillet 2022. J'avais commencé à lire un livre d'ailleurs et j'étais trop occupée pour faire ça de façon concentrée et réceptive. Puis les livres que j'avais envie de lire, soit je les avais pas à ce moment-là, ou bien c'était vraiment pas des lectures que ça me tentait de faire dans le moment des vacances, ok? Parce que c'était ça. Donc, on se retrouve des mois plus tard, mais je voulais les lire ces livres-là, fait que. Fait que, me voici, me voilà. Qu'est-ce que c'est l'ennéagramme? En fait, c'est comme un test de personnalité pour qui classe les personnes, les individus en 9 types. Et ces types sont définis par nos peurs fondamentales et nos désirs fondamentaux, comme qu'est-ce qui nous motive, nous donne envie d'aller plus loin, de se dépasser. Donc, il en existe 9. Moi, j'ai fait les tests et je suis souvent pas mal nuancée et ça me fait souvent ça aussi là, dans plusieurs types de tests là, de personnalité où ça classe les gens. Je suis souvent comme un peu de tout, mais là, je suis ressortie plusieurs fois comme étant un type 4. Donc, je suis vraiment loin d'être experte. Je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo de Sous le ciel qui explique quand même brièvement, mais suffisamment, je dirais, tous les types d'ennéagramme. Fait que si jamais vous êtes curieux, curieuse de découvrir votre type ou un peu qu'est-ce que c'est l'ennéagramme avant de faire le test, ben vous pouvez regarder cette vidéo-là, c'est vraiment très bien. Revenons au type 4. Ce qui nous définit en fait, c'est un grand désir d'être unique, de se démarquer par notre originalité, notre authenticité. On est des gens très sensibles, créatifs. On est vraiment aussi terrifiés à l'idée d'être oublié et aussi de blend, donc d'être vraiment comme tous les autres personnes. Puis c'est la première fois que comme je lisais quelque chose puis j'avais l'impression que j'étais démasquée. Je sais pas comment le dire, mais c'est fou à quel point il y a des décisions importantes dans ma vie qui ont que le désir de pas faire comme les autres a été ce qui a fait pencher la balance vers ça. Par exemple, mon choix de carrière. Je voulais être enseignante, mais j'ai choisi art dramatique parce que ben c'était ma passion, mais aussi parce que il y en a pas des tonnes, c'est spécial, c'est pas c'est ça, c'est quand même assez unique. On n'est pas beaucoup dans la province du Québec, puis même dans le monde là, pas beaucoup de gens qui font mon travail. Puis ça, je trouve ça cool. c'est ça. Bref, en gros, ça ressemble à ça, le type 4, le type romantique. Et voilà, j'ai peur d'être oubliée, de blender. Donc, la première lecture que je vais faire pour découvrir si mon ennéagramme, c'est une bonne façon de choisir un livre, si je me fie aux gens qui partagent mon type. Et les livres qu'ils aiment, est-ce que ça va me permettre de trouver des coups de cœur? C'est un peu ça ma recherche là, à travers ce vlog. Donc la première recommandation, c'était celle de Books and Lala. Et c'était la première fois que j'entendais parler de ce concept-là d'ennéagramme. C'était sur sa chaîne, donc je trouvais que c'était quand même un bon retour aux origines. Elle recommandait 4 livres, mais le seul qui me parlait vraiment, et en plus que j'avais chez moi, c'était Frankenstein de Mary W. Shelley. Et donc, c'est l'histoire en fait d'un scientifique qui
En fait, on est à l'époque des Lumières. Il y a beaucoup de recherches qui se font en sciences sur la vie, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, pas humain. Et lui, il va être vraiment passionné par ça. Il va créer un genre de monstre. Tu sais, Frankenstein, je veux dire, c'est un classique. Et tout le monde connaît un peu l'histoire de Frankenstein. J'ai commencé, pendant que je faisais le ménage aujourd'hui, à l'écouter en audio, donc je vais pouvoir vous faire un petit update juste après, mais là c'est sûr, vous me prenez pas que ça ici c'est la préface que je ne l'ai pas lue et que j'ai pas l'intention de lire, mais donc j'ai lu quand même cette partie-là, écoutez, c'est quand même intéressant comme portion, donc voilà, donc ça c'est ma première lecture. Ensuite, et là, je me rappelle vraiment pas où est-ce que j'ai vu cette recommandation-là, mais je me cherchais une petite bande dessinée parce que c'est sûr, je me connais. J'ai trois gros romans à lire. Ça me décourage. Donc, je prends, tu sais, je m'écoute et j'ai Quiet Girl in a Noisy World. En fait, je crois que, si je me trompe pas, Karine, la bouquineuse, partage mon type aussi en Enneagramme, mais je crois qu'elle aussi, elle a lu cette lecture-là pour le défi. Ah, je trouve ça drôle parce que dans le retour de la caméra, on dirait un lézard lourd, un truc pour l'anxiété, mais en fait, c'est comme une grosse doudou avec la personne ici. C'est une bande dessinée en anglais, mais bon, ça me fait pas vraiment peur, j'en ai déjà lu l'an dernier. Puis ben c'est ça, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc ça, j'ai vraiment hâte de découvrir. Je me considère vraiment pas tant comme une quiet girl ni une personne introvertie. Quoique Mais je me considère quand même un peu sauvage. Pas introvertie, mais vraiment juste comme j'ai une grande bulle. J'ai besoin de moments seuls chez moi. Mais j'ai un travail qui me demande beaucoup d'être avec des humains, d'être extravertie. Puis je pense que je prends quand même de la place dans un groupe. Je suis pas gênée, tu sais, j'aime ça, mais pour me recharger, j'ai besoin d'être seule chez moi. Puis si on est dans un groupe de personnes, puis qu'il y a des gens que je connais pas, puis il y a suffisamment de personnes que je connais pour passer la soirée sans parler aux autres, c'est sûr que c'est ma stratégie. voilà, j'ai hâte de lire ça. Et finalement, le dernier livre qui va faire partie de ce vlog, c'est le très populaire Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc ça, j'ai vu ça sur la chaîne de BritTalks, quelque chose de même, là. En tout cas, qui était elle aussi un type 4 et elle disait que c'était comme son roman préféré, donc elle voyait pas comment d'autres types 4 ne pouvaient pas l'aimer. Je dois dire que moi, j'avais ignoré ce livre-là volontairement parce que je trouvais qu'il était trop populaire, que tout le monde le lisait, que tout le monde l'encensait, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est un peu too much, mais ce que les gens disent sur ce livre-là, ça me parle. Donc, Evelyn Hugo, c'est comme une ancienne actrice vraiment très populaire. Et dans ce livre-là, on va suivre un peu sa carrière, mais à travers ses histoires d'amour avec les 7 maris. Puis ce que j'ai compris aussi, c'est qu'elle était peut-être bisexuelle, ou en tout cas, elle avait une attirance plus pour une femme refoulée. En tout cas, ça a l'air vraiment bien. J'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Mais je l'ai mis en dernier parce que je sais que si je commence par ça, je vais pas me rendre à Frankenstein. Et je veux lire Frankenstein. C'est comme dans ma wishlist personnelle. C'est le plus vieux livre qui est sur ma pile, non seulement en termes d'années de publication, mais aussi que ça fait le plus longtemps que j'ai en ma possession. Fait qu'il faut que ça sorte. Donc, je vais vous updater demain sur où je suis rendue dans ma lecture de Frankenstein. Je suis rendue à 50% un peu plus, presque 60% en fait, là, je suis au chapitre 14 sur 26 de ma lecture de Frankenstein. Je l'écoute principalement, mais je lis aussi là, le soir au moins un chapitre. Ça se lit extrêmement bien. Le langage n'est pas super difficile, là, je me serais attendue à pire vu que dans ma tête, un classique, c'est toujours comme un peu plus ardu pour moi. Donc, Victor Frankenstein, c'est comme un jeune passionné de science et il va aller étudier les principes de la vie, de l'électricité, de la biologie dans différentes écoles. Là, il va changer d'école, puis
parce que c'est un peu ça le début de l'histoire, c'est ses études. Puis à un moment donné, il va comme avoir une espèce de lubie, puis il va se mettre à aller déterrer des corps dans un cimetière pour essayer de créer un humain, de créer de la vie à partir de quelque chose de mort. Et ça va fonctionner. Il va créer un espèce de monstre. Et qui va... Le monstre, il n'y a pas vraiment de nom, en tout cas pour, au chapitre 14, mais on comprend que c'est le monstre de Frankenstein, le créateur. Et quand il va le voir, il va comme s'enfuir un peu de sa maison et l'abandonner parce que ben ça lui fait vraiment peur. Puis tu sais, c'est quand même fou d'avoir été capable de créer un truc qui vit, là, à partir de corps morts. Mais c'est vraiment très bien. Genre, j'aime vraiment ça. Je suis comme dans une... Ça met dans une ambiance, puis il est tellement comme... Le monstre est tellement intéressant. Genre, il y a vraiment une critique de la société de l'époque, puis de qu'est-ce qui est important. Puis c'est vraiment très actuel, là, comme même si ça fait 200 ou 200 ans et plus, comme ce qu'il dit de la société, c'est encore vraiment observable. La propriété, l'appât du gain, la richesse, la pauvreté, la monarchie, l'importance des liens familiaux, comme ces choses-là, c'est la découverte de l'Amérique. Puis comme même dans le livre, ça dit que quand j'ai appris ce qu'ils ont fait aux premiers habitants d'Amérique, j'étais consternée. Tu sais, ça fait quand même 200 ans, fait qu'il y a... puis c'est un monstre. Puis il était consterné. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de le finir, en fait. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec notre monstre. Est-ce que finalement, c'est lui qui a tué le petit frère de Victor? Qu'est-ce qui va se passer avec Victor? Est-ce qu'il va comme avoir de l'empathie pour son monstre? C'est à suivre, mais j'aime vraiment, vraiment ça. J'ai terminé hier soir Frankenstein de Mary C. Shelley, que j'ai adoré. Honnêtement, là, je me rappelle pas de la dernière fois que je vous ai parlé, ce que je vous ai dit, mais c'est tellement bien comme histoire. Genre, j'ai eu peur, j'ai eu de l'empathie. Le personnage de Frankenstein, il est horrifiant, puis en même temps tellement touchant. Comme, j'ai aimé ça. Je trouve que la pire personne, le pire personnage de cette histoire-là, c'est Victor Frankenstein, le créateur du monstre, là. Il est tellement whining, genre, je sais pas comment dire, mais il est genre, il est génial, il se plaint tout le temps, il est comme, oh, mais tout mon entourage meurt à cause que j'ai fait un crime! Mais comme, effectivement, genre, t'es pas supposé ramener à la vie des cadavres, comme, peut-être que la vie va se charger de ton sort, tu sais. En tout cas, j'ai trouvé ce personnage-là vraiment irritant, mais je pense que ça servait le récit. Je rappelle que je l'ai écouté en livre audio sur Spotify, très facile à trouver. Ça s'est vraiment bien lu. Quand je lisais en même temps que j'avais le livre audio, mon livre, c'était pas la même traduction, fait que ça, c'était un petit peu énervant. Je crois que la traduction de mon livre audio était plus facile, genre, je sais pas, elle coulait mieux, en tout cas, que quand je le lisais. Puis tu sais, je l'ai fait aussi sans livre audio, juste le lire, mais tu sais, c'était les mots choisis qui... Ils fitaient comme un peu moins bien ensemble, on dirait, dans ma traduction. Je sais pas qui a fait quoi. Mais pour ce premier livre, choisi par mon ennéagramme, la suggestion pour les types 4, pour moi, ça a été un franc succès. J'avais pas beaucoup d'attentes envers Frankenstein, surtout que ça fait plus d'un an que je l'ai. Je l'ai mis dans plusieurs piles à lire l'année dernière. Comme je me suis dit, ce mois-ci, je le lis, puis je l'ai repoussé. Mais j'aurais pas dû, c'est vraiment, vraiment bon. Comme, je suis très heureuse d'avoir fait cette lecture-là. Je pense que c'est déjà comme un coup de cœur de l'année 2023. Je vais voir comment ça va évoluer, là. Tu sais, on est quand même juste en janvier. Mais pour moi, c'est définitivement un 5 étoiles, là. Bon, je sais pas qui a besoin de se faire recommander Frankenstein, là, parce que c'est vraiment un classique très connu et populaire. Mais si vous l'avez pas lu, puis vous aimez ça, avoir un peu peur, vous aimez les récits un peu philosophiques, réfléchir sur qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce qu'on a besoin, comment la société est faite, le bien, le mal, l'amour, la haine, faut lire Frankenstein. Genre, je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est vraiment génial. Donc là, je vais lire, je vais avancer dans ma non-fiction, puis je vais lire un peu, je vais lire un autre roman. Puis après ça, je vais passer à la deuxième œuvre de ce vlog. Donc, je prends une pause de quelques jours et je vous reviens avec A Quiet Girl in a Noisy World.
OK, faut que je vous parle de la deuxième lecture que j'ai faite, Quiet Girl in a Noisy World, An Introvert Story de Debbie Tong. J'arrive pas à trouver un moment pour vous le dire, là. J'ai été malade, mon chum aussi, puis il y a comme un problème. En tout cas, je manque de temps. Fait que j'ai réussi quand même à lire cette petite bande dessinée. Dans le fond, ça m'avait été recommandé parce que, apparemment, que les. Mais ça, c'est. Moi, je suis un peu tannée là, de l'association que les personnes artistiques, c'est des personnes introverties parce que je trouve toujours que ça néglige tous les acteurs, humoristes, les gens qui font des spectacles, l'art de scène. Pas tous des introvertis, là. Je peux vous en nommer beaucoup des gens extravertis qui sont quand même artistiques. Donc, c'est ça, c'était associé, tu sais, les numéros 4, c'est plus artistique, romantique, donc introverti, ce préjugé. Donc, je me suis reconnue par moments parce que moi, je crois que je suis ambivertie. Je sais pas où j'ai vu ça récemment, là, mais j'ai vu un commentaire à quelque part qui disait ça. Parce que j'ai vraiment besoin du contact social, sauf que je me recharge quand je suis seule. Fait que c'est comme... c'est ça. C'est une bonne dose de chaque. Mais il y a des moments que je me... On dirait vraiment, je trouve, un lézard lourd, là. Mais en fait, c'est sa couverte qui est en dessous. Mais ouais. Donc, je me suis reconnue dans ce livre-là parce que, dans le fond, c'est vraiment l'histoire de l'autrice, j'imagine. Comment... Elle vit son introversion, comment elle essaie de se conformer au reste du monde, qu'elle considère que toutes les autres sont extraverties, alors qu'elle a probablement tort. Il y a probablement plusieurs personnes là-dedans aussi qui fait être extravertie. Puis son cheminement dans l'acceptation de qui elle est, puis de cette partie-là d'elle qui n'est pas extravertie, qu'elle a besoin de moments seuls, de solitude, de moments à la maison, calme, pour être bien. Donc, c'est pas mal ça. Ça se lit vraiment bien. C'est des courtes pages. Il n'y a pas beaucoup de texte dans chacune des pages. J'ai trouvé ça très intéressant, mais est-ce que ça m'a parlé autant que Frankenstein? Est-ce que je me suis sentie... est-ce que je me suis reconnue dans ça? Pas à 100%. C'est une bonne lecture. Je la recommanderais certainement, mais moi, je suis à la recherche de livres dans ce vlog-là qui vont vraiment comme... parler à mon âme, là, tu sais, que je vais me dire « Ah, ça, c'est pile exactement ça que j'aime. Je, tu sais, je suis comme ça ou j'aime ce genre de choses. L'originalité, des personnages complexes qu'on aime et qu'on déteste en même temps, comme dans Frankenstein. » Mais là, ici, c'était... j'aime aussi, là, les autofictions ou les comme récits de vie, un peu. J'adore ça, sauf que c'était pas... la mienne, tu sais, c'est pas ma réalité. Donc, ça a plus ou moins atteint son but. Mais si, par exemple, on était dans un point lecture, je vous dirais, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de positifs à dire là-dessus, là. En fait, c'est une excellente lecture que je vais probablement donner comme 4.5 ou 5 étoiles. Mais pour le cadre de ce vlog-là, ça fit plus ou moins avec mon intention. Mais est-ce que j'ai aimé ma lecture? Oui. Est-ce que je la recommande? Oui. Est-ce que je la recommande pour un type 4? Si t'es introverti, oui. Si t'es extraverti comme moi, peut-être, ou ambiverti. Peut-être. Ça dépend. Ça dépend. C'est ça. Mais je veux pas prendre plus de temps parce que je suis vraiment pressée. C'est le matin, je m'en vais travailler. Et j'imagine, vous l'entendez dans ma voix, là, mon ton pressé. Mais j'ai fait le retour là-dessus. Là, je commence... j'ai fait une autre lecture, puis ensuite, je commence Les Sept Maris d'Evelyn Hugo. Deux semaines plus tard, ça m'a pris énormément de temps de lire le petit livre que j'avais prévu entre mes deux lectures. Parce que, vraiment, là, c'est pour ça qu'au mois de février, je lis toujours moins. En fait, c'est la fin d'étape. Et aussi, au magazine des maisons, ça me prend tellement de temps là, dans mon mois. Là, comme au moins une soirée, puis... une journée dans la fin de semaine à chaque semaine. Fait que c'est vraiment intense. Mais là, j'aimerais commencer ce soir mon dernier livre pour le vlog, qui est Les Sept Maris d'Evelyn Hugo. Est-ce que je vais être du côté « bon, c'est vraiment bon » ou je vais être aussi... je vais être du côté « ouf, je pense qu'il y a eu trop de publicité, ce livre-là ». Je sais pas. Mais j'ai hâte de le lire. Puis je vais vous dire, c'est ça, je vais vous tenir au courant de quel côté je me trouve. C'est quand même gros pour en ce moment, dans ma vie. J'ai un petit peu de misère à lire ces temps-ci. C'est comme pas du tout ma priorité. Puis
C'est ça, c'est très difficile, là. On n'a pas bien de soirée ces temps-ci parce qu'on est très occupés et Flavie a choisi de faire la grève du dodo seule. Fait que c'est un petit peu... c'est ça, c'est un peu rushant. Mais je le commence ce soir. Quand est-ce que je le finis? On le sait pas. Salut! Je suis rendue à 40% de ma lecture d'Evelyne Hugo. Dans le fond, j'ai lu les deux premiers maris, je suis rendue au troisième. À date, j'aime bien. Je suis un peu déçue parce que je crois qu'il est victime de son succès. Je suis arrivée avec des grandes attentes. Je suis pas la première aussi que j'entends qu'il y a ce genre de pépin avec ce livre-là. C'est que il y a tellement de gens qui l'aiment que là, ça devient un petit peu comme overhyped. En fait, là, je vous fais un bref résumé parce que, ben, en tout cas. Je suis sûre que pas mal tout le monde sait de quoi ça parle, mais il faut jamais prendre pour acquis que tout le monde sait de quoi ça parle. Donc, Evelyne Hugo, Les Sept Maris d'Evelyne Hugo, c'est l'histoire d'une grande actrice dans les années 50 aux États-Unis. Evelyne Hugo, là, ça n'existe pas, c'est complètement inventé, mais c'est ça le contexte. Et au tout début de l'histoire, il y a une journaliste, Monique Grant, qui est demandée par Evelyne Hugo pour faire une entrevue, un portrait un peu... à la base, c'est supposé être sur des robes qu'elle met aux enchères, mais rapidement, Monique Grant va se rendre compte que c'est pas ça le but de la rencontre avec Evelyne Hugo, mais plutôt de décrire la biographie de sa vie, surtout sur d'un point de vue personnel, comme relater un peu toutes ses relations ses relations amoureuses. Donc voilà, Monique Grant va s'embarquer dans ce projet-là. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant sur Monique Grant, c'est vraiment plutôt sur Evelyne Hugo. Donc je ne sais pas si un jour Monique va devenir un peu plus importante dans l'histoire, mais... le personnage principal, pour le moment, c'est Evelyne Hugo. Donc, voilà, on la suit dans le premier mari, elle avait comme 17 ans. Ensuite, le deuxième mari, elle avait, je pense que ça s'est terminé, elle avait 20 ans. Donc, quand même, ça va vite, sa vie, hein? C'est vraiment très intéressant aussi, on apprend, rendu à ce moment-là, c'est un spoiler, si jamais... Mais en même temps, c'est très connu, là, genre, ça m'a pas étonnée, mais Evelyne Hugo est bisexuelle. Donc, on apprend ça là, pas loin, à environ le tiers là, du roman. Donc, c'est ça. Mais il n'y a pas de défaut. Là. Je suis juste pas aussi enthousiaste que je l'aurais espéré. En fait, je crois que c'est la personnalité de Evelyne Hugo, le fait qu'elle est un peu excentrique et qu'elle vit selon son propre système de valeurs un peu, qui fait que c'est une recommandation pour... les types 4, mais pour l'instant, je vois pas tout à fait là, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment pour les types 4, là, ce livre-là. Je vois pas nécessairement l'originalité, comme un côté un petit peu différent. Comme, je vois pas tout à fait qu'est-ce que je suis censée aller accrocher davantage que les autres par rapport à ce livre-là, mais peut-être que ça va s'éclairer plus tard dans le roman. Il me reste environ 115 pages à lire. J'ai lu le chapitre sur Harry Cameron, qui était super bien, mais là, ça se termine mal. J'ai lu ensuite... ben, c'est ça, ça se termine mal, parce que, ben, évidemment, il se sépare, comme il y a d'autres, maris après. Mais, comme dans le livre, ça nous mettait en suspense qu'elle était pour faire quelque chose de vraiment abominable. Mais comment ça a été amené? Genre, j'ai pas trouvé ça si pire, surtout connaissant le caractère d'Evelyne. Comme. C'était plate, mais en même temps, genre, elle a grandi de cette aventure-là. Fait que j'étais pas comme. Je la déteste, là. C'est ça que je veux dire. Fait qu'en tout cas, sincèrement, là, il me reste 115 pages. Je trouve que c'est un bon livre, mais c'est pas un coup de cœur du tout, là, en ce moment. Puis, j'imagine que. Tu sais, Evelyne Hugo, c'est un personnage assez sûr d'elle, puis excentrique dans ce qu'elle veut, tu sais, surtout pour l'époque, tu sais, elle est très affirmée, genre, moi, je veux telle chose, je vais faire telle chose pour y arriver. J'imagine que c'est ce qui peut plaire au type 4,
Mais je pense que ça peut plaire à vraiment d'autres mondes pour différentes raisons. Là. Tu peux lire le personnage de Evelyn Hugo de plein d'autres manières. Fait que, en tout cas, ma fille demande mon attention, mais je vous reparle probablement plus tard aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé de ma lecture. J'ai terminé Les Sept Maris d'Evelyn Hugo hier soir. Et puis, c'était correct. C'était pas amazing, comme tout le monde le dit. C'était pas un livre que j'étais genre, waouh, faut que tout le monde le lise. Ça va plaire à tous. Comme, c'est un peu comme une biographie, là, honnêtement. Fait que si vous aimez pas ce genre de livre-là, je vous conseillerais pas de lire Evelyn Hugo. J'ai trouvé ça bon parce que, tu sais, les personnages étaient comme un peu... ils s'entrecroisaient, je sais pas comment dire, là. Mais leurs histoires, ça... Des fois, ça influençait celles des autres. Fait que ça, j'ai aimé ça. Je sais pas trop quoi en dire de plus. Je comprends pas tout à fait pourquoi c'était recommandé pour mon type. Peut-être quand c'était moins un livre hypé... Le monde disait « Ah, c'est full original, faut le lire. » Mais là, tu sais, j'ai l'impression que si vous avez entendu une seule fois une critique de Evelyn Hugo, genre, vous allez être pas surpris de ce que vous allez lire. Genre, c'est comme un peu... L'histoire est simple, je sais pas comment dire. C'est le fun parce que c'est un caractère fort, féminin fort, bisexuel, latina. Fait que ça, je trouve ça le fun. Mais... je sais pas, je dirais que je suis un peu restée sur ma faim. Fait que, conclusion de mon vlog en éagramme, Frankenstein, j'ai capoté, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Quiet Girl in a Noisy World, correct, mais moi je suis pas un type 4 introverti, donc plus, ça m'a plus ou moins rejoint. Evelyn Hugo, j'ai compris, mais j'ai pas... Tu sais, moi, je cherchais un peu qu'est-ce qui fait que c'est original comme histoire, qu'est-ce qui fait que c'est romantique ou que ça se démarque des autres. Tu sais, c'est sûr que Evelyn Hugo a vu sa vie selon ses propres codes, puis si elle a pas peur, genre, d'aller dans des sentiers... tu sais, de sortir des sentiers battus, mais... J'ai pas trouvé que ça me parlait plus parce que, genre, on pouvait avoir ce trait de personnalité-là en commun. Fait que, je dirais que, somme toute, pour Frankenstein, comme c'est vraiment une de mes meilleures lectures, je pense, à vie, je dirais que c'est un vlog réussi. Mais sinon, ce serait un vlog comme 3 sur 5. Genre, c'était bien, mais c'est pas vraiment la façon, je crois, la plus efficace pour choisir mes lectures. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un des trois livres que j'ai lus dans ce vlog. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!